Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live du lundi 20 février 2023. Il est 19h59. Dans quelques secondes, il sera 20h. Ça va être insane. Ça va être la dinguerie. Hein. Allô, Mintos ? Allô ? Apparemment, t'as montré des photos de toi, Bébou. Oui, Bébou. Ah, il faut que je te trouve. Me dis pas où t'es. Bon, ça va, je suis reconnaissable, je pense. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Ah, je t'ai trouvé, Mintos. Il est là. Ah, et la deuxième ? Et la deuxième, bah t'es... Deuxième rang, deuxième place. Ouais ! Let's go ! T'as la même tête, Mintos. Comment ça, j'ai la même tête ? Bah, t'as la même tête, mais c'est juste que t'étais un peu plus blond, effectivement. Ouais, j'étais blond. Non, Mintos n'est pas le petit noir en salopette sur la photo, effectivement, ce n'est pas lui. Comment ça ? Il n'a pas changé. Il a pas changé à ce point. Pire moment, une fois de plus. Bonjour, Xavier. Essaie de me retrouver. T'avais beaucoup de filles dans ta classe, là, du coup, ça limite le choix. Et je peux te dire que c'était un vrai bourreau des cœurs à l'époque. Moi j'en avais déjà parlé, mais en maternelle grande section, j'avais deux copines. Le polygame. Ma première copine, elle m'attèche parce que j'étais tombé en vélo en 6ème devant le collège. Tu me l'as raconté, qu'est-ce que j'ai ri quand tu m'as raconté ça, Mintos. Bonjour Florence, bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'en ai une. Est-ce que vous me reconnaissez sur celle-là? J'aime trop parce que la photo d'Antoine, il y a plein de gamins qui regardent pas du tout l'objectif. Oui, mais moi je le regarde bien. Indice. Ah, mais Bagheera t'a envoyé une photo aussi. Attends, elle est là, Bagheera. C'est elle, là. Oui, avec ma petite flûte. Mais Antoine, ta photo, on dirait qu'elle vient des années 50. Bah, t'as vu mon âge? Ah oui, au milieu avec le soleil dans les cheveux, le troisième. Oui. Waouh. Oh, le beau gosse. Ce gars-là, il était tellement turbulent qu'il se faisait tout le temps engueuler par les profs. Je vous le dis pour vous, le chat. Et en fait, quand j'étais petit, son nom était tout le temps prononcé par les profs de façon négative, que je pensais que son nom était une insulte. Oui, je suis en bleu. C'est la seule photo, je crois, que j'ai. Et moi, j'en ai pas de scanné, faudra que je les scanne. J'avais une belle coupe au bol d'asiatique, là. Pourquoi tu ris? Mais qu'est-ce qu'elle a en retente, là? Ah, c'est ta tête qui l'a fait rire, hein. C'est-à-dire que si elle t'avait rencontré à l'époque, elle aurait ri comme ça, en fait. Mais j'avais pas de potes, et Hortense, je pense que tu étais un peu le signe. Mais ça me fait rire parce que j'avais la même tronche. Après, moi j'ai vu une photo de toi plus jeune, Hortense, avec Gros JDG. Hein. Ah oui, ça j'ai vu ça. Ah oui, je peux vous la montrer, la photo. Oh, c'est toi. Oh, c'est toi, Hortense. Non, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est Bagheera. C'est Bax. Non, mais. Putain, mais c'est pas possible. T'es trop con, Mintos, ou comment ça se passe? Ta gueule, Antoine. Est-ce qu'on peut la montrer ou pas, Hortense, la photo? Oui, je suis en train de la montrer. Attention, c'est vraiment Kirst. Horty est là, à droite, ici. Mais Horty, on te reconnaît pas du tout sur la photo. Non, bah non. C'est la meilleure photo. Oh, le dossier. Bah, c'est un glow-up pour toi et pour Fred, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Bah ouais, écoute. Donc, vraiment. Après, Xavier, moi, j'ai des photos, mais genre avec 30 kilos en moins, tu vois. C'est un peu terrible. Ouais. Oh, waouh. On peut montrer Mintos? Attends. Oh, waouh. Mintos ou pas? Ah, mais ça, c'est abusé. On montre ou pas? Mais regardez-moi ça. Ah, mais oui. Mintos. Le stade. Mais attends, mais tu me fais penser à quelqu'un, j'arrive pas à savoir qui. Macron. Oh, quoi? Macron. C'est vrai qu'il y a une vibe. Un peu, hein. Ah, la Mintos TV, quoi. Putain, t'es beau, hein. Quoi? Oh, merci, Antoine. T'es toujours beau, Mintos. Ça, c'est vraiment un gros baiser, ça. On est d'accord, la Mintos. Là, j'étais gros baiser. Ah, là, je peux dire que... Ah, c'est certain, c'est gros baiser, quoi. Ah, là, ça y est, elle. On aura rien eu, Xavier. Ah, mais là, c'était gros baiser, Xavier, aussi, hein. Là, ça baisait dur, ouais. Moi, je suis frustrée parce qu'à chaque fois que je retrouve des gens qui m'ont connu à 16 ans, ils me font « Ah putain, t'as pas changé !» Et je sais pas trop comment le prendre, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas eu d'évolution. T'es déjà extra mime à 16 ans, félicitations à toi. Hop là. Belle disquette. Belle disquette. Belle disquette. Ça me fait plaisir, Bagheera, merci beaucoup. Tu n'es pas une beauté fanée, Florence. Je n'ai jamais fleuri, tout simplement. Non, t'es une belle fleur. Moi, je t'apprendrais ta fleur si je pouvais. Allô? Allô? Bagheera? Non, ça bug. Magnifique. J'ai retrouvé la photo torse au poing, je la garde pour moi. Oh non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, mais si tu voulais vraiment pas la montrer, tu l'aurais pas dit à haute voix. C'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce qu'il a le droit de mettre une photo à torse-poil? Oh là là. Ah, je peux pas montrer ça. J'ai très très chaud là. Oh, j'ai chaud là. Oh, ouais, l'autre là. Arrête. Arrête. Tu sens qu'il a voulu bien faire. Censure les tétés. On veut que je veux. Ok, bon, attends, je vais faire une censure des tétés de MV. Mal. Voilà, vu que j'ai censuré les tétés, ça fait encore plus bizarre, je trouve. Censure. Je vais pas mentir. Regardez-moi ça. Avec la censure. Oui. Oh, la censure, elle est encore pire. Oui, ça rend le truc plus cursed. Je sais pas pourquoi. À côté du bébé Lilou, y a rien qui va. Je passe ça, filtre.
un petit transparence. Et comme ça sera subliminal. J'ai invité quelqu'un d'autre. Non, pardon. C'est bien, non, ça. Oh, c'est bien. Il sera avec nous ce soir. Non, mais tu l'as prise hier, cette photo, Florence. Non, j'avais 15 ans sur la photo. C'était il y a 15 ans. On voit que t'es un peu plus jeune, mais en vrai, t'as pas changé. Hein. C'est vrai. T'as pas changé, un truc de fou. Ah, t'as de la chance. T'es content d'avoir changé, perso. Oui, oh. Le chat. Oh, pardon, je râle après mon chat. Bon alors, le chat d'Hortense, on se calme le cul, là. Et moi, je viens vous chercher, je vous tape le cul. J'ai paniqué. Oh, ça, c'est bien, ça. Dans le sens, on est énervé. Manière excitante. Ouais, oui. Allez. MV dit que le jeu se lance pas à commencer sans moi. Entre ça et Isaac, je comprends pas ce qui se passe, je vais tryhard, dit-il. Merde. Antoine. C'est pas moi. Ah non, on va pas commencer. Ah non, on va pas recommencer cette histoire. Toi, hein. Tu fais chier. Ça fait plus rire personne, hein. Putain, c'est vrai que j'ai un verre qui s'appelle Pouic, mais je l'ai appelé Pouic avant d'avoir mon chat. Du coup, t'as nommé ton chat en fonction de ton verre? Mais non, j'ai nommé mon chat parce que mon chat m'a dit de l'appeler comme ça. En fonction de ton verre. En fonction de ton verre. Super, Florence. Oh, c'est bah, dis donc, c'est bien. Là, bon, c'est pas mal, ça, Florence. Non, mais je pensais pas que ça allait être aussi fort. Mais en fait, c'est le vent, je pense, le problème. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah. Okay. Mmh. Oh, excusez-moi, on a des professionnels du Worms par ici ou quoi là? Ça utilise la sélection de verre. Oh là là, c'est bien joué. Un qui serait fier. Masterclass. Arrête. Ah, c'est rapport pour moi. C'est ridicule. Non. Tranquille. Oh, il y en a un qui va tomber. Oh, oh, c'est bien joué. Putain, c'est pas mal en vrai. Hein. Ouais, c'était pas si mal. Hein. Allez. Il y a Ségolène. Putain, Ségolène. L'autre fois, Mintos nous a avoué qu'il avait un crush sur Ségolène Royal. Oui, c'était, ah bon, c'était il y a longtemps. C'était après, longtemps. Ouais. Bah oui, voilà. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Des fois, il y a longtemps, c'était quand tu étais un gigabaiser. Arrête. Attends, mais t'avais un vrai crush sur Sego, genre... Genre premier dog, quoi. Non, j'ai une question pas Twitch-friendly. Ah. Est-ce qu'il s'est déjà branlé en pensant à elle, c'est la question? Hein? Le paluchage, Mintos. Non, je... C'est bon ou pas? Je fais pas ça, moi. Je... Genre, tu t'es pas paluché sur Sego, mec. Je me suis jamais paluché de ma vie, mec. Ouais, what the fuck. J'ai des archives qui prouvent le contraire. Bah, laisse-le faire. Ouais, laissez-le. Tout le monde se paluche pas sur Sego, enfin. Bah non. Bah non, effectivement, oui. Vous savez que Fanny Ardant, elle est pas morte? Bah non, elle est pas morte ou gay? Pourquoi tu dis ça, Florence? Non, c'est moi qui ai dit ça. Ah merde! Ça y est, ça m'est arrivé. Ça y est, elle m'a confondu avec Florence. Oh non! Bah, ça va, il y a pire quand même que d'être confondu avec moi. C'est pas si horrible non plus, hein. Florence, c'est le problème. Oh! Allez! Là, c'est un double kill! Oh, il y en avait deux en plus, hein! Et voilà, je suis avant-dernier! Ouah! Arrête, j'ai encore un. Arrête, non! Il me restait plus qu'un verre! Oh, bien joué! Ah non! Oh non, Bertenilde! Ok, tout va bien. Non, mais je suis en alliance avec Mintos, mais là il était dans le tas, hein! Oui, bien sûr, ouais! Non, mais on est en alliance là-bas par contre! Oh, bien sûr! Bah oui, Mintos, on a dit alliance! Oh, bien sûr! Gros point dans Sego! Ça va. Mon gros point dans Sego! Mon gros point dans Sego! Kink accomplished! Mon gros point dans Sego! Oh! Mais pourquoi moi? Je l'ai eu! Non! Bravo, Sego! Je l'ai eu et sans règle en plus! T'as dit quoi? Comment je l'ai eu et sans règle? Genre, j'ai pas utilisé un double décimètre pour pouvoir. Ah, d'accord. Un point. Ah oui, ok. Non, pas ces règles-là, Hortense! Moi, quand j'ai mes règles, j'arrive pas à viser, bizarre! Ah bah pareil! Mais non, on aurait dit qu'elle disait l'inverse! Y'a pas une légende comme quoi t'arrives pas à cuisiner quand t'as tes règles ou un truc comme ça? Si, c'est ça! Si tu cuisines mal, c'est que t'as tes règles! C'est que t'as tes règles! N'importe quoi! N'importe quoi, quoi! Moi, je cuisine juste pas parce que je suis au bout de ma vie, quoi! Attention! Oui! Oh! J'ai fini mon tour! J'ai rien vu, moi, je riais parce que je pensais à Florence! Comment ça? C'était une bonne chose. Oui, c'est ça, c'est la mayonnaise. C'était une bonne chose. Ah, la mayonnaise. J'ai jamais fait de mayo, donc je sais pas. Je pensais à Florence, d'accord. Mais quand t'as dit que tu peux pas faire de mayonnaise. Mais c'est bien, Florence, tu m'exprimes la joie. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, je pense. Non, je t'en supplie. Hey, vraiment, c'est mon... J'ai plus que deux verres. Mais tu laisses pas m'adouer comme ça, enfin. Bah oui, mais vaut mieux taper sur les forts plutôt que sur les faibles. Non, mais moi, je suis pas forte. Oh non. Ah merde. Ah oui, bravo. Non. Oh oui. Double kill. Oh, ça c'est bien par contre. Oh putain. Oh putain. Je suis dernier. Angle droit première. Non, c'est Mintos premier. J'avais pas fait gaffe, Mintos, mais c'est bien d'avoir attiré l'œil sur toi. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Ça revient ici.
Alors l'eau commence à monter, là ça va pas le faire. Quelqu'un me dit j'ai testé en tant que cuisinière et c'est faux, voilà. Ah bah bravo voilà. Pour la bonne mayo. Moi j'ai essayé d'en faire une fois, elle était ratée. Ouais, vous cuisinez pas? Non bah, c'est juste une question simple, Florence, hein. Florence, pas la peine de le prendre comme ça, c'est juste une question de mintos à la con, hein, je veux dire, c'est vrai. Hein. Pas la peine de t'énerver comme ça, t'as juste demandé si tu cuisinais, hein, c'est tout. Hein, c'est pas grave, Florence, hein, y'a plein de gens qui cuisinent pas. Hein. Tu sais, pas parfois on touche des cordes sensibles sans trop le savoir. Bah oui, bah là. J'étais trigger, là. Arrête, arrête, je suis faible. Hop là, ça dégage. Ouais, allez. Ciao. Oh, j'ai plus qu'un verre à 5 PV. Pour vous. Oh non. Est-ce que c'est bon pour vous? Vas-y. Pas du tout. Vas-y. Pas du tout. Vas-y. Oh là, ça va être bien. Comment ça, t'es pas morte? Voilà, j'en étais sûr. Mais calme. J'en étais certain. Je voulais sauver Kala après. Oh non. Putain, quand je regarde sous l'eau, on voit MV. Non, chevou. Non, non, pas Brigitte. Oh, un en moins. Deux en moins. Oh, deux en moins pour Florence. Maintenant, faut focus il faut focus Mintos, hein. 150, 150, 67. Regardez la différence de points. Angle droit première. Hein. Mais regardez la différence de points. Antoine qui est toujours pas mort. Hein. Bah, laisse-moi tranquille. Oh. Revenons au jeu, Hortense, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oh, peut-être Marie-Jo va s'en sortir. Florence. Mange tes morts, Antoine. Bah. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Après 5 secondes par contre, Florence. Ta gueule. Allez, mange tes morts, tu mourras avec moi, c'est pas grave. Je crois que tu vas mourir toute seule, Florence. Non, mais c'est pas grave, au moins j'aurai un peu de Mintos. Puisque personne s'en occupe. Mais si, mais t'inquiète. Bah oui, mais y'a que toi qui est morte, hein, du coup. Bah oui, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Horty? Attends, j'attends qu'ils arrêtent de s'engueuler. Ah, ça peut durer, hein. Oui. Je suis poli, je reste poli. Non, tu vas pas faire ça. Oh, il va vraiment utiliser une banane pour buter un Worms à 5 PV. Bah, il a bien raison, en vrai. Allez, t'es le meilleur de la banane. Allez. T'es le meilleur de la banane, Mintos. Merci à tous. Non, je pense qu'il a pas... Ah, tiens, regarde. Si, je suis mort. Si, mort. Oh là là, mais cette précision dans le tir. Il est fort, hein, Mintos. Oh, même pas. C'est ciao. C'est Mintos qui gagne amplement, en vrai. Pas sûr, en vrai. Mais je suis énervé. Uber bagarre, je pense. Uber bagarre, mais de fou, Uber bagarre. Oui, ça va le faire tomber, De toute façon, je pense qu'il était dans tous les cas morts. Ah bon? Oui, l'eau monte. Oui, je pense avec l'eau, ouais. Ah ouais, moi ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Il faut que tu tues Mintos là. Tu balances le truc sur le casu marzu. Non, mais pas que sur le casu marzu parce que je pense qu'il va se noyer. Oh, le triple qu'on casse. Hop là. Oui. Non, il va se noyer là, Mintos. Ah bah non, Mintos. Hop là. Oh. Ah, du coup, ça, là c'est free, Hortense. Hein. Bah oui, mais j'ai plus rien moi. Dommage. Mais je suis coincé. Tu t'es mise dans cette situation toute seule. J'ai fait focus. Ah, mais non, attendez, il y a la mort subite en fait. Non, très mauvaise idée. C'est fini ton tour là. Ouais. Alors c'est free, Florence là. Pour vous. Moi, je suis à toi, j'aurais fait péter la caisse en vrai même. Parce que là, tu lui offres même carrément une. Ah non, oula. Ah oui. Ah, c'est noyé. Ouh. Ouais, bah t'es mort, Florence. Il suffit juste que tu mettes en hauteur, Horty. Ah, voilà, ça t'apprendra à me focus. C'est Horty qui gagne. Ah, c'est la vie que toi. T'as bien fait, angle droit là. C'est dégueulasse. C'est un peu dégueulasse, hein. Je suis assez d'accord. Ça mérite pas du tout cette victoire. Moi, dans mon cœur, j'ai gagné, hein, personnellement. T'as perdu honteusement, enfin, angle droit. Oh, j'ai moins perdu honteusement que toi, hein. Aïe. Je me suis fait focus par les femmes, voilà. Hop là. Oh, tu rigoles ou quoi? Je réclame justice. Bien joué. Je peux faire pipi, j'en ai pour 30 secondes. Oui, vas-y, je t'en supplie, fais-le, mec. Je laisse le son. On va pisser. Les kiwis, vous les mangez avec la peau ou pas? Non, je suis pas un dégénéré. Ça dépend des races. Mais vous êtes un putain de dégénéré là. Une fille, si elle est bien mûre, tu peux la manger avec la peau sans problème. Oui. Allergique à un fruit poilu, quoi, la honte. Ah oui, c'est vrai que t'es allergique aux kiwis. Ouais, c'est bien. Oh non. Moi, je suis allergique aux cons, voilà. Ah, c'est bien dit. T'as vu ça? J'ai un t-shirt avec écrit ça dessus pour bien que les gens ils le sachent, quoi. Effectivement, pareil que toi, Darus, je suis vacciné 3 doses contre la connerie, tout à fait. Vacciné 3 doses contre la connerie. Hop, juste un doigt. Putain! C'est gros doigt là. Oh. C'était bien ton doigt, Antoine? Ouais, super mec. Ah, Antoine, tu dis quoi le là? Le véhicule de mort. Vas-y, drill-moi. Ah, ça va être dur d'avoir câlin, je pense. Super. Oh, pipou. Drill-moi. Oh là là. Oh, Suzette. Hop là. Si bon
Oui, c'est bon pour moi, oui. Mais c'est superbe. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, ça va. Allez, être... Tu vas y arriver, tu vas y arriver, t'inquiète. Essaye, essaye à mort, t'inquiète. Est-ce que c'est bon pour vous, c'est Roselyne Bachelot? Ah, oh, oui, bravo. Oh. Oui. Oh. Allez, tu vas le faire. C'est super fort. Allez, Florence. Ah oui. Oui. Oh, allez, vas-y. Oh, c'est un beau tour, hein. Après, Squeezie et Roselyne Bachelot, c'est un peu la même chose. Ah, c'est les mêmes personnes. J'ai cru que j'étais mute. Bah non, mais c'est vrai. T'as juste dit des facts, quoi. T'as dit quoi, toi? Fleur. Oh, oui. Elle est exceptionnelle. Je vais la mute pour le reste de la soirée, je pense. Non. La boîte à questions, quoi. Énorme. Squeezie, Roselyne Bachelot et Mickey la Sainte Trinité. Ah bon? Avec ses gants d'enculé, là. Quoi? Pardon? Mickey Mouse avec ses gants d'enculés. Mais c'est quoi ça? Mickey Mouse, gants d'enculés. Il y a pas de ref, elle est juste folle. Si babou. J'adore. Joué. Je vous l'ai déjà dit. À cause des garçons? Oui. Oui. À cause des garçons. À cause des garçons. Vrai vrai banger. Non. Bah ouais. Non. Oh. C'est ciao. C'est bon. C'est ciao. C'est ciao. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh là, toi, oh non, c'est low, oh, c'est low. C'est nul de faire ça, qu'est-ce que c'est nul. Mais c'est là. Mais oui, moi, pour l'instant, je me fais juste défoncer le cul. Bon. Bon alors. Il y a des tas de gens, Maguire. Non, non. Attendez, ça suffit, Hortense. Ça suffit. Ah, mais qu'est-ce que je fous là, moi? On se pose tous la question. On demande. Mais qu'est-ce que je fous là? Mais tu croyais j'ai ton père, mais tu te fous de moi? Oh, la TP mystique. Bah, je sais pas, écoutez. Bon, on va se foutre là. Allez. Oh. Ah oui. Ah, c'est quoi? Ah non. Joli. Olé. Le petit bluff. Mais vraiment, en plus, je suis dernier, hein. C'est moi qu'on. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui. Oui, faut fuir que ça. Pourquoi moi? Mais je sais pas, Antoine. Vraiment, pur hasard pour le coup. Bah oui, mais en fait, c'est peut-être ma tête que t'aimes pas. T'as envie de les. Je sais pas. Non. Bah, je me pose la question, hein. Ça a une pine? Non, ça a pas de pine, les huîtres. Bah si, je crois que si, hein, en vrai. Non, je sais pas, c'est pas genre ça éjecte des petits trucs, des petits spermatos un peu dans l'eau autour. T'as jamais sucé une huître? Bah, en vrai, non. Si. Bon bah alors, tu le sais alors. Mais j'ai pas sucé. Tu vois bien que ça durcit en bouche, merde. Ça durcit pas en bouche, une huître, la pauvre. Ah bah si ça le fait, faut la recracher vite, quoi. Ou bien, ça veut dire qu'elle profite, et en fin de compte, ça sera l'huître qui aura la meilleure. Bah ouais, bon. Chacun prend du plaisir, finalement. Voilà. Chez les huîtres, la fécondation est externe. Oui, j'avais raison. Personne ne pêche. Je suis incollable en huître, moi. Je suis incollable. Aïe, aïe, aïe. C'est parti, l'expédition. On va peut-être comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, donc toi, t'as le droit de le faire, mais pas moi, c'est ça? Bon, ça va, ça faisait longtemps. Laisse-moi m'amuser aussi. J'ai le droit à un peu de joie dans ce monde, merde. Bah oui, mais moi, je m'amuse et on me dit... On me dit... C'est vrai que la voix chevrotante, c'est Florence.com. Elle va se détendre, celle-là. Bon alors, elle va se détendre ou quoi? Enfin, c'est moi qui vais la détendre sinon. Waouh! Waouh, Florence! Florence, on te découvre sous un nouveau jour ce soir. C'est la chevaux que je veux tendre. Mais non, mais putain! Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas bon pour moi! Alors, comment ça joue ça sur manette? Ah, tu viens de gâcher un... Ah, oh oui. Ah oui, oh oui. Et bah pas comme ça, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est bien, t'apprends pour la suite. Ah oui, c'est bien. Vachement bien, bravo, Arty. Mais j'ai pas réussi à le déclencher. Oh, t'as pas réussi à le déclencher, là. Arrêtez. C'est pas moi qui parlais comme ça. Vas-y, ça... Yo. Salut, c'est Dingo. Non, j'arrive pas. En effet. C'est sûr que j'arrivais très bien. Il fait du bruit plutôt ou pas? Mais vous connaissez la théorie bizarre sur Pluto? Ah oui. Oh, non, non. Quoi? J'ai mal à l'aise à chaque fois que j'y pense. Non mais alors, on est d'accord que Pluto c'est un chien. C'est quand enculé. On est d'accord que Dingo c'est un chien aussi? Complètement. Alors comment ça se fait que Dingo s'habille et parle alors que Pluto est en laisse? Ah bah s'il est BDSM. Oui mais justement, il est tout le temps BDSM. Bah non, peut-être ils ont décidé que l'histoire s'arrêtait quand il n'était pas, tu vois. Bah oui mais tu vois, est-ce que t'as... Oui mais sauf qu'il impose, du coup ce kink à la vue de tous, j'ai envie de te dire. Oui mais à voir, ils sont tous ok, donc... Ouais, ça a l'air d'être consentant, hein. Ouais bah attends, Mickey, ça m'a l'air d'être quand même quelqu'un de très... Ça m'a l'air d'être quelqu'un tout de même qui n'aime pas qu'on contredise et tout, et qui est assez puissant dans ce monde-là, je pense que les gens ont juste peur de lui dire que c'est gênant, quoi.
Moi, je pense que c'est plutôt qu'il allait en discuter avec les autres avant tout. Non, mais tu vois, c'est comme quand Isabelle Balkany, elle appelait son employé bol de riz, tu vois. C'est pareil, Antoine. Tu vois, il disait, ah, ça me fait rire, mais sauf que tu peux pas parce qu'il y a une relation de pouvoir entre les deux, tu vois. Oui, mais moi, je pense que dans le BDSM, il y a beaucoup de discussions, justement, tu vois. Ouais. Oui, mais tout le monde est. Est-ce que tu penses que Donald est dans ce milieu? Je ne suis pas sûr. Non, mais t'as pas besoin d'être dans le milieu. Si t'as communiqué dessus aux autres et que les autres sont OK. Oui, mais bon, mais il se balade en ville avec Pluto en l'air. Antoine, va faire ton thread Twitter sur lui. Mais non, je peux pas, j'ai plus Twitter. Oui, Donald, il a l'habit à l'air. Oui, d'accord. Bon, merde. Moi, je pense que c'est justement un univers très ouvert et c'est bien qu'ils aient communiqué sur tout ça, en fait. Ouais, mais ils font ça devant les neveux de Donald, tu vois, devant Riri, Fifi et Loulou, tu vois. Oh. Ça, c'est vrai que c'est autre chose. Ça, d'accord. Tu vois ? Là, je suis d'accord avec toi. Bah, moi, ça me pose un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Mais pareil pour l'oncle Donald avec sa bite à l'air, hein, c'est bizarre. Hein, c'est... Mais non, mais il a pas de bite. Il a un cloaque déjà. Oh, le cloaque de Donald. Si socialement c'est acceptable de montrer sa bite, c'est pas grave. C'est vrai que peut-être que dans leur dimension, c'est OK. La nudité est bizarre parce que justement on la censure au départ, tu vois. Mais dans ce cas-là, pourquoi porte-t-il des vêtements aussi ? Moi j'ai grandi dans des plages nudistes. T'as grandi là-bas ? Non, mais toutes mes vacances se passaient sur des plages nudistes, tu vois. Putain, mais regardez, Foulk ! Le Dreamboat. Je voulais pas tirer, enfant. Je voulais pas tirer. Bah maintenant je veux tirer là. Non, alliance évidente, tu vois bien que je ne suis pas une menace. C'est vrai que du coup... Pardon, non rien. Non, si il me dit bagarre. Non mais du coup, Donald, il peut décapsuler des petites bouteilles de vin, débouchonner des bouteilles de vin avec sa pine. Avec son cloaque, ouais. Mais putain. Ils ont des érections. C'est un raccourci pour canards. Ah oui, c'est quoi? À dézoomer, là. Non, je vais mourir. Et voilà, c'est fini. Oh vas-y, ma bite c'est bon. Ma bite c'est bon. Ma bite sent bon. La chance. Ce n'est pas donné à tout le monde, effectivement. Ah mais c'est pour ça que je joue plus, vas-y, moi je suis morte. Bien joué, effectivement, c'est ça. Bien wesh. J'avais pas vu. Faut tirer. Ah oui. C'est un bruit de la défaite. Oui, j'ai gagné, je crois. J'ai possiblement gagné. Attends, faut pas que je fasse de la merde. Je suis morte. Oh non. Bon allez, hein. La troisième, c'est Blair. Ouais, pardon. Antoine. Oui. Alliance. Non. Bah on est plus que deux, hein. Bah s'il te plaît. Je dis que t'es mignon tout à l'heure sur ta photo. Bah oui, je sais, je te remercie. Hein. Mais c'était factuel. Paf. Hop là. C'est pas très cool, je trouve, de ta part, mais bon, bref. Bravo, Antoine. Merci à tous.